Allô. Allô. Depuis 10 ans. Je vois un peu partout sur la planète où les besoins sont les plus importants, ou parmi les plus importants, des camps de réfugiés, des orphelinats, des hôpitaux, à essayer de faire mon petit bout de différence positive, à essayer d'aider du mieux que je peux avec ce que je sais faire, avec ce que j'aime faire, qui est le clown, le cirque, puis l'intervention. À essayer de distribuer du bonheur, de l'amour, de l'espoir, un peu partout où je vais. Puis il n'y a pas longtemps, j'étais en Haïti. Hey, ça fait à peu près 40 pays où je vais un peu partout, certains. Merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Haïti, puis j'ai fait une rencontre qui va m'avoir marqué pour toute ma vie, fait que j'ai envie de vous en parler. Voulez-vous que je vous en parle? C'est un petit gars. Il y a à peu près 7-8 ans. Il y avait à peu près 7-8 ans, puis il vivait dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de maison. Malheureusement, comme des milliers d'enfants en Haïti. Puis il est venu me voir. Je savais même pas qu'il parlait français. Il est venu me voir, me regarder direct dans les yeux, puis me demander, Guillaume, tu sais, dans ton pays, là, le Canada, est-ce qu'il y a des gens pauvres? Je dis, ben oui, il y en a plein. Il y a plein de gens pauvres. Il pleut du monde pauvre. Il y en a plein. Ah ouais, OK, y a-tu des gens qui vivent dans la rue aussi? Je fais, ben oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue chez nous. Puis là, il me regarde avec une drôle de face, puis il me demande, du monde comme toi? De quoi tu parles, du monde comme moi? Ben, du monde qui ont la peau blanche. Ah, c'est ça qu'il voulait dire, parce qu'en Haïti, presque tout le monde a la peau noire. Puis je fais, ben oui. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens de toutes les couleurs du monde qui vivent dans la rue. Puis là, il est vraiment intelligent, le petit gars. Fait qu'il me relançait et il a dit, est-ce que ça veut dire que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui vivent dans la rue? Puis là, je savais pas la réponse. T'sais. Fait que j'ai dit, ben, je sais pas. Je pense que oui. En fait, je suis convaincu que oui. Là, ça avait vraiment l'air de le toucher, le petit gars. Je pouvais voir qu'il était triste. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il réfléchissait, que ça spinait vraiment vite dans sa tête. Puis il est arrivé à une conclusion à tout ça qui m'a littéralement jeté à terre. Parce que ce petit gars-là aurait toutes les raisons du monde de ne penser qu'à lui puis de s'en foutre des autres. Et ce serait bien correct, tu sais, parce qu'il faut qu'il se batte au quotidien pour survivre, pour manger, pour boire, pour trouver un endroit où dormir. Mais malgré tout ça, sa conclusion, ça ressemblait à ça. Ben là, c'est vraiment triste. Il faut les aider.